Crafter, ici c'est B35, le petit mineur de M qui vient de se faire exploser son stuff deux fois d'affilée, c'est complètement tragique. Et j'avais la pioche en diams. Et je suis tombé dans la lave comme un con. Sérieusement, t'avais une pioche en diams? J'avais une pioche en diams et je suis tombé dans la lave à cause d'un glitch de serveur. Bon, on se retrouve, je suis en compagnie d'Eldaemon et Mr. Fanax pour le sixième jour de Minecraft. Vous êtes offert, j'ai plus de... Hashtag LOL les gens. Salut. Y a plus beaucoup de stuff dans les coffres, y a... Ah oui, effectivement, on prend pas les diamants. Ah tiens, il y a Zodomekin 53. On va l'ajouter à la converse, c'est quoi ça? Attends, c'est pas normal, il faut être en vocal. Bonsoir. 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 Je vais faire un petit truc. Mélangeur. Alors... Ah, il y a une maison. Cool. Ouais. Donc, on est dans MVO. Minecraft, dans vous êtes offert. La série phare en Minecraft 1.7.2 Vanilla. L'aventure suivie, l'aventure en survie, quoi. Etc, etc. Et, moi, j'avais du diams et je suis tombé dans la... LOL bon. LOL, XD, MDR. Donc du beau PTDR. Monde aujourd'hui pour ce nouvel épisode là avec Eldaemon, Mr. Fanax et Zozobakin 53. Surtout Mr. Fanax il est pas là souvent donc on va en profiter. C'est clair. C'est qui déjà? Et moi. L'art de se foutre de la gueule du monde. Et je te filerai mes trois premiers diamants. Ouais, je me dis, venez vous avec la bouche. Je dois être ridicule avec Oula. Désolé pour les petits bruitages sympathiques. Le programme aujourd'hui c'est retrouver du diamant, refaire notre stuff et giver des trucs à nos deux amis. À savoir Mr. Fanax et Zodovakin 53. J'ai déjà pris de la bouse, je me suis servi. Oh, c'est pas grave. Du moment en que bouse. Tu touches pas aux diams. Le chevalier a l'épée en bois. Et donc tu vas être content, Fanax, parce que ta traditionnelle rose a été remplacée par des coquelicots. Eh bah ça, faut que je dise de moi, Mojang. T'inquiète pas, il y a toujours des roses bush. Il y a. Voilà. On va prendre des coquelicots. J'ai un stack de bois. Voilà, un coquelicot. Vous avez un briquet? Bah non, on avait 14 obsidiennes avant que je tombe dans la lave. Eh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis déco. Et pourquoi? Je sais pas, je suis trempé touche. Je sais pas, je le sentais pas, je pense qu'il faut reprendre au début. Et je meurs de faim. Je meurs de faim. Je rêve où je viens de manger un truc, ça l'a même pas mangé. Oh, c'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Tu sais ce qui s'est passé? Vous savez? Non. J'ai mangé 3 chairs putréfiées. Oh yeah. Et je n'avais pas eu d'effet de potion. Du tout. Ah ouais, carrément. Ça, c'est bien ça. Mais c'est rare aussi. C'est extrêmement rare, j'ai eu un bol inouï. Il y a 3 sur 10. Ah, attendez, je suis sur un autre co. Je reviens. Hein? Dogin 53 nous a quitté en vocal. Bon bah c'est pas trop grave. Tu peux oh oui, c'est pas trop grave, je m'en fiche. Il va revenir. Je prends un peu de steak. Il reviendra, tout du moins, je l'espère. Du cookies chicken, je laisse un peu de chair putréfier, un peu de cookies chicken. Je vais manger un œil d'araignée. N'est-ce pas? Ça, c'est une très bonne idée. C'est clair. Vraiment en cours de nourriture, là, par contre. Oh non, il y en a un peu. Vraiment. Il y en a un peu de la nourriture. Au final, je gagne plus de cœur que j'en perds. CLB, CLB, c'est un cultivateur.
reviens, sinon on va tous crever dans l'heure. Tu sais, il y avait des tables de craft dans la maison. Hein. Ah bah. Ce serait... Que tu rejoignes. Ah mince alors. Bon. Qui veut du rose ? Du rose ? Bah. Non merci. Il y a des moutons par ici. Bon, donc concrètement, on va essayer de se refaire. Je vais chercher de la cobble. Ouais, en attendant, tu vas arrêter de chanter parce que c'est juste horrible. Y'a pas de quoi. Ah, je suis tombée à couche 12. Si tu es remords, je rigole. Ah bah. Ni vu ni connu, il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Cool, qui ? Bah, c'est le mec qui est 53, tiens. Ah. Donc Eldaimon le fou furieux a l'air pas très en forme aujourd'hui. Hein. Oh bah remarque, j'ai commencé par 2 heures de brevet blanc de maths, hein, suivi de 2 heures de maths. Donc c'est un tout petit peu normal, hein. Ouais, enfin je dis ça, je dis rien. Tu vois, hey, Fanax, viens voir. Fanax, quoi du... hey, moi, oh non, il pleut. Il a trouvé du diamant. On a plus de pioche en fer du tout d'ailleurs. On a plus de fer. Non. Tes coordonnées. On est en 60. Mais là, pas là, quand c'est, même. C'est dans la grotte que tu trouveras immédiatement dans la maison. Hein. Non, je suis désolé, on n'est pas en 60, on est en 4, on est en 2014. C'était nul. Je confirme. Ah bah au moins quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ah bah moi aussi je suis d'accord avec toi. Bah... Tu vois que je suis d'accord avec toi. J'adore faire ça. Ouais bref, dans la maison tu prends l'échelle et puis c'est là. Et puis d'ailleurs tu peux même te jeter dans le vide, y a de l'eau à la fin. Faire. Enfin, je crois. Je l'ai pas enlevé, non. Allez, saute. Non mais je te jure, hein. C'est sincère. Ouais. Oui, t'inquiète, hein. Non. Mais je suis pas taré au point de te faire confiance. Confiance. T'as trouvé du fer ? Non. Du charbon. Ramène une pioche en fer. Three, two, one, go. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. L'expression que je n'ai jamais comprise. Fanax. Oui. Regarde, tu vois ça? C'est cet endroit là? C'est à voir. C'est sur ce bloc que je suis mort. Il y a de la lave en dessous de ces obsidiennes et moi j'étais coincé dans la lave avec des obsidiennes au-dessus de ma tête. Ouais. Avec une pioche en diable, j'ai 14 ans. Même les morts cruels. C'était un épisode épique, mais blasant. Ah. Et Kiki a retrouvé. Alors on parle, mais il y a que le premier qui est parlé. Putain, mais t'es sérieux? Attends. Ah ouf, quand même. Oh punaise, il fait nuit. Déjà? Eh ben on a gâché la moitié de l'épisode. Bah j'ai un zombie donc c'est qu'il doit faire nuit et puis il crame pas donc. Alors il y en a 4 ici. Oh j'ai une carotte, trop cool. Ouais je vais la mettre. Carotte. Ouais. Carotte. Il y a des cochons par ici. Ouais il y a quelques-uns. Alors j'ai l'impression qu'ils disent que c'est un filon de 4. Non 4. Un filon de 4 diamants. Eh oui, mais je préférerais un filon de 4 fer pour l'instant.
Ouais, et puis à vrai dire, ces filles ont 5 en diams qui sont vraiment utiles. Ah, il y a de la redstone. On en a déjà deux. Faut une pioche en fer, une pioche en fer. Limite, c'est un peu trop... On va dire que c'est un petit peu trop... trop bas pour miner pour du fer. Tu trouveras de la redstone, de l'or, des trucs dans ce genre, mais tu trouveras jamais, jamais, jamais de fer. Jamais. Quelle couche ? Couche 12. Hein. Oh si, si, on si. Peut en trouver un peu. On est déjà trop. Mais on en trouvera plus à couche 30, quoi. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, go, voilà. Bah, hop, moi j'y suis. Je vais commencer un bras de mino petit. Isé. Ouais, je vais faire exactement la même chose, moi. Il fait beau dehors. Hein. Il pleut. Il y a même de l'orage. J'ai pas de torche. Hashtag GG. Ça c'est cool. Et quand on a dit dans la description qu'on pourrait cheater un petit peu dans cette série. C'était pas une blague. Torche. Ah ouais, quelqu'un peut m'en. Bah. Ouais, non, je vais pas cheater pour une fois. Bah. J'en ai deux, ça me suffit. Pas, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, alors j'ai plus qu'à souhaiter d'avoir charbon. Une de la chatte et puis tomber sur un filon de charbon. J'en ai trouvé un. Cool. Machin, c'est un pyro barbare. Bon. En plus, c'est même pas les notes. Ouais, c'est vrai. Tu veux un briquet? C'est quoi une note déjà? Bob le nan, c'est un pire barbare, sacré déchiqueté. Au final, son choix avec l'agent et avec la belle Lydia Savidal Huscar. Bob le nan, c'est un pire. Par contre, je me rappelle plus de la chute. Ouh, du fer! On s'en sortira peut-être au montage parce que, bah, pour la simple et bonne raison, qu'elle est simple, la bonne raison. C'est qu'on mentionne Ouh, YouTubeurs I love YouTube. Et qu'on mentionne une musique protégée et que YouTube va supprimer la vidéo. Bob Leon va faire ouais, des sacs. Sais, oui, ça aussi faudra procurer. C'est vrai. Il y a quand même un peu trop de fans, si on... Je pensais que si on interprétait nous-mêmes, c'était bah bon. Oui, ça devrait l'être. Hein. Après, je dis ça juste pour me moquer gentiment de YouTube. Enfin, gentiment. Qu'un enfoiré ! YouTube, non, mais non. Je veux dire sincèrement, non, depuis qu'il y a Google qui a racheté YouTube, et surtout depuis cette merde de Google+, bah YouTube, c'est de la merde, c'est tout. Hein. Ouais, je suis carrément d'accord. YouTube, c'est devenu de la merde. On va censurer ça aussi, non ? Non. On va faire circuler une pétition. Oh bah il y en a plein de pétitions sur naturavas.org notamment. Oh bug. Oula, un petit rollback là d'un coup. Et j'ai plus de pioche. Ouais, rollback. Anax. Bon bah l'heure est un... Quelle heure il est bah, par contre à temps d'ellipse. Voilà. Un revenu. Il y a un mur infranchissable. Où ça? Et... Au bas du fer, j'ai pas besoin de chercher pour voir. YOLO. Non. Oh, le tag. On avait dit pas de chanson. J'ai même plus de pioche en stone. C'est la dèche. Bon, t'as du fer? Pourquoi? Attends, ouais. T'en as 3? J'ai 6 fer. Pas cuit. Et j'ai faim aussi. Bah moi j'ai de la côtelette. Et puis il y en a dans les coffres. Donc ça fait presque 3 quarts de l'épisode maintenant. Déjà? Bon, là... Vous avouerez. Ah ouais, bah à plus les gars. Il faut que j'aille faire autre chose complètement différent. Non, pas des maths, mais autre chose. Voilà, allez, à plus. À peluche. Ah franchement, il y a deux jeux de mots.
Je crois que j'ai pas fermé la porte. Moi je l'ai fait. Oui, j'ai réussi à passer. En fait, c'est tout simple. Maintenant, tu me donnes une pioche en diams et c'est moi qui aurai l'honneur. Ah, je vais pas te donner une pioche en diams. Non. Enfer. Et c'est moi qui aurai l'honneur de crafter la pioche en diams. Ah. Bien. Je vais fermer ma gueule. Alors, on n'est plus que deux maintenant. C'est bien gentil. Donc, on a entrevu The Novakin 53. Qui devrait un peu plus s'affirmer en tant que membre de la team, ainsi que Démon 3X, RQ et j'en passe. Bon, en même temps, vu qu'on a supprimé toute la saison 1 de MVO, il y a une bonne partie des membres de la team qui sont pas là. Ils sont dégoûtés. Hé, traître ! Non. Passe-moi ça, sinon jamais. Je te tue. Jamais. Ah bon ? Stop, d'accord. Maintenant tu m'as envoyé. Tu me drops ça. Jamais. Bon d'accord. Mais c'est qui me poursuit en plus. Oh my god. Passe-moi cette pioche. Cette pioche? Quelle pioche? Bah la pioche en fer, tiens. Je n'ai jamais mis de diamant moi. Quoi? Le diamant est là. Où ça? Tiens le diamant. Je te hais. Bon. Avec les 4, on va se crafter une pioche en diams. Et celle-ci, on y fait attention. Deux pioches en diams. Bah non, on peut s'en crafter qu'une seule. Non, crafte-en pas une deuxième. Crafte-en pas une deuxième. Oui, non, mais on va les laisser cela remêler. Remêler, c'est très important. Allez, vite, remêler. Merci. Voilà, maintenant, on va aller chercher de l'eau psy. Et on va se faire une censure de table d'enchant. Et cette fois-ci, je fais bien attention. Ce serait complètement con de remourir. Purée, j'ai un creux en pleine nuit, moi. Oh non, non. Oh non, pas le squelette. Voilà. Et c'est un zombie qui t'a tué au final. Bah, je voulais juste aller manger un petit morceau dans les champs. Mais voilà. Oh non, pas un creeper. Les creepers, c'est méchant. Oh non. Bon, d'accord. Alors, il y a deux squelettes et trois zombies. Comment je suis censé réagir en mourant? On va essayer de contrôler les deux zombies. Bon. J'ai une musique dans la tête. Purée, reviens à toi. Je suis coincé. Je suis non. La seule solution c'est de faire ça. C'est très YOLO. YOLO et plouf dans l'eau. Alors maintenant je suis coincé parce que je n'ai même pas de quoi amasser l'eau. Donc je suis obligé de faire comme ça. Et c'est vraiment YOLO parce que du coup je vais mourir sans aucun doute. Bon, l'obsidienne pour portail du nether, on l'oublie maintenant, il y a juste la table d'enchant. Non, j'étais une fleur contre quatre zombies, c'est pas loyal. Alors ouais, il en reste encore deux. Voilà, j'ai quatre obsidiennes, on se dépêche de faire la table d'enchant avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bah là, pour moi, là, il est un peu... Oh non. Mais le problème, c'est qu'on a absolument plus de fer. J'attends qu'ils brûlent. On a du diable et on n'a même pas de fer. Kikou. Mais non, ils sont morts. Ils sont morts. De quoi? Bah, ils sont morts. Ah non, il reste un squelette. Dans la maison. Il y a un squelette avec un arc enchanté dans la maison. Deux squelettes. Il y a trois squelettes dans la maison. Ah. Eh, mais attends, on n'a pas vu l'heure. C'est la fin de cet épisode, les amis. On n'a pas regardé l'heure. Donc, voilà. On se retrouve pour le 7e jour dans le... Oui, le 7e jour. Dans peu de temps, on tourne beaucoup trop d'épisodes d'affilée encore une fois. Mais bon, bah je disais que je reproduirais pas l'erreur de la saison 1. Mais on va pas vraiment avoir le choix. De toute façon, sur la saison 1, on n'avait pas eu énormément de retours. Vous envoyez pas beaucoup de commentaires. Alors du coup, on tourne des épisodes d'affilée. Je suis désolée. Donc voilà, sur ce, on vous dit au revoir. C'était CLB et Fanax. Salut.